Allez, salut tout le monde, c'est Tazo Récupération. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 307, les amis, de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors Definitive Edition. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, les amis, je vais très bien. Un petit peu fatigué, mais ne vous inquiétez pas, je vais tenter de me concentrer sur le jeu, il n'y a pas de souci. Normalement, je suis assez fatigué pour quand même me concentrer sur le jeu, il n'y a aucun problème. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait continué notre carte aventure. Alors, avant toute chose, hein. Pff, merde. J'avais un peu des poils sur la manette. Des poils de petit. Des poils de chacha. Vous avez reçu un cadeau Mibo, 10 cartes de Maître Stalfos. Pourquoi pas, même si on en a beaucoup, je crois, de ça. Ok. Ce serait bien un matériau ultra rare, ça serait pas mal. Un matériau ultra rare. Vous avez reçu un cadeau Mibo, un rubis. Bon, ben. C'est pas avec ça qu'on va devenir riche, hein, je vous le dis. C'est pas avec ça qu'on va pouvoir améliorer nos persos, hein. Troisième. Vous avez réussi un cadeau amiibo, des viandes de Moblin. Bon, ok. Ok. 3, 4. Obtenu une Naginata du gardien, une Naginata de feu qui se transmet chez les Sheikah. Utilisez l'attaque spéciale pour créer un mur de flammes et piéger vos ennemis. Bon, il manque le dernier. Je suis pas très satisfait, hein. Vous avez réussi un cadeau amiibo. Oh, enfin, lance du dragon de Volga. Normalement, c'est un martario ultra rare. Tant mieux quand même. Je me suis dit, bordel de merde, on va jamais y arriver. Alors oui, souvenez-vous, la dernière fois, nous avons continué notre mode aventure dans la carte à explorer, plus simplement. Et on avait fait normalement, alors si mes souvenirs sont bons, on avait récupéré la dernière Sculptulador dans cette case-là, tout simplement. Donc on avait réussi, on avait normalement tout géré. Donc du coup, on s'est dit que peut-être pour éviter que ça soit trop... Enfin... Il y a trop de combats et tout ça, ça peut être chiant pour vous. J'allais peut-être faire un truc ici ou quoi que ce soit. Mais vu que je suis en train de me rendre compte qu'il y a... Enfin, pour terminer la semaine, il faut l'épisode 307 et 308. Donc, épisode 307 aujourd'hui. Ben, je me suis dit, pourquoi pas, du coup, terminer avec les Sculptulador pour le moment. Hein. Après, il y en aura d'autres, hein, évidemment. Il y en a plein, plein d'autres. Mais, en tout cas, voilà. Pourquoi pas terminer et puis après... la prochaine... Enfin... La semaine prochaine, on commence avec du coup avec l'avancée un petit peu de ces cases-là, peut-être aller jusqu'au ce que tu l'adores et tout ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on va faire cette case-là. Il n'y a pas de je pense. On va faire cette case-là dans lequel on peut voir que en trésor, il y a un fragment de cœur avec Ruto. Alors, ça c'est impressionnant parce que c'est un personnage qu'on n'a pas énormément amélioré de ce que tu l'adores et à mon avis, un réceptacle de cœur avec Midona, forme humaine. Hein, une exploration requise. Alors du coup, là, c'est un arbre à brûler. On va utiliser cette carte. C'était bien un arbre à brûler. Heureusement qu'on a quand même des boussoles et des bougies. Et du coup, vous avez débloqué une nouvelle récompense de victoire. Tant mieux. Et du coup, c'était bien un réceptacle de cœur avec Midona, forme humaine. Donc, bah écoutez, les amis, c'est parti. On va aller tout simplement sauver les troupes. Alliés isolés de niveau 1. Alors on peut voir que du coup nous aurons Darunia dans notre équipe, Shake, Link et ah non c'est même pas il y a pas c'est pas Darunia non je dis des conneries c'est pas Darunia c'est des Captains Gouron je crois. Donc on aura des Captains Gouron, on aura Link, Shake avec nous parce qu'on va prendre Midona, nous on est au centre donc on prendra Midona forme humaine et si on peut on prendra Ruto mais à mon avis il faudra peut-être le faire en deux fois comme il y a les deux précédentes batailles. Et en face de nous, nous aurons affaire face à des souffles d'âme de glace, à des gibdo ardentes on dirait vu qu'ils sont un petit peu d'une couleur, non peut-être pas ardentes, peut-être des gibdo normales, je suis en train de me rendre compte, je sais pas, vu que en fait finalement, non, ben, je sais pas, si je pensais des gibdo normales. Et du coup, Volga et Incero, donc ça a pas l'air d'être une bataille non plus très impressionnante, donc on va voir ça. Et on peut utiliser, oui, qu'un seul personnage, donc du coup normalement, on va faire le réceptacle de cœur avec Midona forme humaine, plus le... la Sculptulador et la prochaine fois on fera comme on avait fait pour Zelesbourg il y a deux cases de cela. On fera le fragment de cœur avec Ruto et la Sculptulador, comme ça au moins c'est fait. Donc on va tout simplement prendre Midona forme humaine et avec du coup son miroir assez cheat entre guillemets, hein, entre guillemets bien sûr. Alors le foudre était un élément efficace ici donc pourquoi pas prendre foudre. Même si honnêtement on ne les use pas parce que... c'est un truc qui va nous prendre beaucoup de temps, mais c'est des épisodes farm, sur farm, sur farm et tout ça. Ça sera vraiment dans les derniers épisodes, dites-vous, de la série. On va vraiment passer au moins une centaine d'épisodes à farm ça, je vous jure. Vous allez pas comprendre. Ah, on est dans le volcan d'Ordain, tiens.
Volcan d'Ordain. Alors du coup, nous avons Shake et Ling. Alors j'imagine qu'il ne faut pas qu'ils fuient, il faut les amener à une bonne destination. Les Captain Gouron, alors c'est bien ce que j'avais prévu. Et Enciro et Volga et des Gypdo normal, ok. Et âme de glace. Alors par contre, ici, il y a deux... Ouais, il y a deux sphères, dont une seule fée, on dit... Non, deux fées, il y a deux fées, donc il faudra faire très attention et les prendre en tout cas. Ok, ok, ok. Et ici, il y a... Ok, 1, 2, 3... Ok, il y a trois coffres. Un coffre là et un coffre là. Donc, logiquement, moi, à mon avis, si vraiment, je serais développeur, j'aurais mis le coffre ici parce que... Ah non, non, même pas. Parce qu'il y a la sphère. Donc, logiquement, ici, vu que c'est l'endroit le plus loin, donc... J'aurais mis le fragment de cœur ici, mais bon, je suis pas développeur de ce jeu. Je peux pas vous dire vaincre Enciro, Shake ou les alliés que vous devez... Ah, secourir, fuis. Ah, on doit secourir Link. Ok, pourquoi pas. Et en champ de bataille... Non, en, au niveau des Scutuladors. Alors, la première, bon, elle remplissait la première mission et éliminait 1000 ennemis. Et l'autre remplissait la première mission et éliminait 150 ennemis à l'aide de coups fatals 100 plus. Bon, on l'avait déjà fait au niveau avec Célestebourg. On avait vraiment la même chose. Donc, bah, écoutez, on a pris un petit peu connaissance. C'est parti. Merci. Et du coup, on doit aider les forces alliées isolées. Ok. Prenez un des forts ennemis, faites une percée. Donc on va déjà prendre la petite, le petit fort en bas pour au niveau des sphères. Comme ça au moins on aura la sphère rouge. Tac. Bon, problème c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'ennemis donc le canon était assez inutile. Voilà. En fait il y a peu d'ennemis qui spawnent dans ces... Ah c'est bon. Dans ces forts là. Et du coup nous avons notre fée. Au moins ce fort est pris. On aura moins de soucis dans l'avenir. Hein. On aura moins de soucis dans l'avenir. Maintenant, on va devoir prendre le fort du haut. Donc, on y va, on y va, on y va. Hein. Vous avez sauvé la fée du feu. Alors, il n'y a pas de missile ténueux pour une fois. C'est rare, mais faut le souligner. Alors, on va quand même prendre le fort qui est là. Hein. Autant y aller. Par contre, les gypdos sont surpuissants. Donc, autant vite l'éliminer. Par contre, je suis désolé, mon gars, mais... Voilà, attention. Slash. Et du coup. Allez, non. Et ben alors. Allez, s'il te plaît. Merci. Toi, t'es mort. Ennemi surpuissant, donc beaucoup plus de vie que d'habitude. Qui fait beaucoup plus mal et tout ça. On connaît le truc. Merci pour le. Les rubis, tout ça, les petits matériaux. Allez, maintenant, on va devoir faire un petit peu attention parce que là, ça commence à craindre. On peut prendre déjà un des forts avec la sphère, mais le problème, c'est qu'on n'a pas l'autre sphère, donc vaut mieux vite aller récupérer la deuxième sphère. Alors, par contre, le capitaine Gouron est en difficulté. Voilà. Hop. Merci. Alors par contre, toi, voilà, ça c'est fait déjà pour commencer. Ok. Et ça c'est fait aussi. Comme ça on a la fée de la sphère en fait. Sachant qu'il faut se souvenir que pour le rang A, il faut quand même faire attention. Voilà. Maintenant, on va vite aller à droite. Prendre les deux forts parce que le problème c'est que ça va poser des petits soucis si on retarde trop. Donc on va prendre le fort du bas en priorité vu que en fait on doit aider Link donc et il y a un gros ennemi dessus. Donc ah il y a Volga. Tiens. Est-ce qu'il va y avoir la petite cinématique ou pas? Oh, il n'y a pas la petite cinématique. Dommage. Je me suis dit il y a peut-être la petite cinématique du Volga incandescent mais non. Mais non, finalement. Tac. Merci. Et du coup. Tac, tac, tac. Et du coup, on va tenter d'éliminer Volga. On l'a presque. On l'a vraiment presque défoncé. Voilà, on va déjà pouvoir aider un petit peu Link. Et slash.
Link est en difficulté. On va y aller, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, je veux juste éliminer Volga. Merci, comme ça on récupère son petit matériau. Et du coup, on va vite aider Link. Parce que là, le souci, c'est qu'il y a trop de mobs. Mais vraiment, il y a un nombre de mobs assez hallucinant. Ouais, Link, regardez où il est. Le petit chef de poste, comme ça, ça occupe un petit peu... ça occupe un petit peu les âmes de glace et tout ça. Ouais, on voit que le perso, il est en train de faire un petit peu la gueule. Boum, boum, boum. Tac. Allez, un petit poupée d'âme de glace, ça serait pas trop de refus parce qu'on en a vraiment besoin. On en a réellement besoin. Oh, des armes. Qu'est-ce que... On s'en bat les couilles des armes, là. Et slash. Ok. Merci, Link n'est plus en danger, son moral remonte. Et maintenant la scutulador va apparaître, ou je ne sais pas, mais elle va apparaître. Donc on va se déplacer quand même, parce qu'on sait jamais. Partie de l'armée des... Ok, elle est apparue à droite. Elle va pas être dans le fort. Hein. Donc, bah elle est là, ok. C'était vraiment pas fait exprès. Vous avez vécu une scutulador, vous avez obtenu un morceau d'illustration. On est à combien? 4 minutes. Tant mieux. Merci. Éliminer le chef de... Alors j'aimerais juste quand même faire un peu de kill. Parce que pour le rang A ça va être un petit peu compliqué sinon. Donc ça serait pas de refus de faire un petit peu des kills. On a quand même un petit peu devant nous. Et sachant qu'on dirait qu'il n'y avait pas l'air d'avoir un boss géant. Donc on devrait logiquement s'en sortir. Sans souci. Tac. Non. Tu restes calme toi, je t'ai dit. Non mais dis donc. Flash. Et du coup, on va pouvoir prendre ce petit fort là. A mon avis, sûrement même le fragment de cœur, même pas, j'allais dire, il allait peut-être être ici parce que le coffre était pas enclenché, mais à mon avis, non, il sera un petit peu plus loin. Peut-être un petit peu plus loin. Allez, 1200, on va quand même aider le fort du qui est en train de se faire défoncer d'ailleurs, mais... Parce que là, on est à combien? On est à 6 minutes, ouais, on a un peu de temps. J'ai un peu mal à la gorge, désolé les amis. J'espère de ne pas avoir attrapé une petite maladie. Le Covid ou quoi. Ça serait, imaginez, ça serait abusé. Ça serait abusé. Hop. Merci. 1400. Maintenant, on va prendre le petit chef de poste. Et à mon avis, on va pouvoir défoncer une Cero. Hein. À mon avis, on va pouvoir défoncer une Cero. Voilà. Voilà, fuite, on s'en fout. Là, honnêtement, le but est de massacrer une Cero. On a obtenu la scutulador. Et maintenant, on va pouvoir obtenir le réceptacle de cœur. Bon, ça aurait été une bataille assez simple. Hein. Surtout quand un personnage est niveau 50. Magicien sombre, une Cero. Évidemment, hein. Évidemment, c'était logique. Quand on est niveau 5. Enfin, 50, non, même pas, on est niveau 40. Mais quand on est niveau 40, ça c'est. Ça c'est simple entre guillemets. Pourtant on gagne de l'XP hein. On gagne de l'XP, regardez dans cette bataille. Attention. Merci. Merci. Boum. Et du coup on va pouvoir éliminer un petit peu une Cero avec les coups fatals. Hein. Voilà. Hop. Et on va tenter un autre coup fatal. Bon, si on en a vraiment pas assez, il y en a là, hein, mais à mon avis, là, il est mort. Hein. Et voilà. Bon, bah, bataille de fini. Hein. Et alors, normalement, rang A. Normalement, rang A. Bon, bah, écoutez, on sent mal, mais on l'aura eu. Et du coup, rang A. Voilà, parfait, c'est confirmé. En 15 minutes, d'ailleurs, c'est impressionnant, cette bataille. C'est impressionnant. Comme ça, la prochaine fois, on va pouvoir le refaire avec Ruto, qui va, par contre, être un poil plus difficile. Je vous avoue, vous avez obtenu un réceptacle de cœur, votre énergie vitale est augmentée d'un cœur. Parce que Rudo est niveau 30. Bon, nous avons réussi. Bon, ben, bah, c'était assez simple. Hein. Assez simple.
Ben voilà. Parfait. Alors du coup, meilleur obscur, 82 dégâts, élément lumière, slot vide, et ocarina d'effet, 82 dégâts, attaque forte 4, élément ténèbres. Pour une robe d'Incero, un ornement de casque de Volga, une souffle d'âme de glace, pour deux haricots magiques, et un champignon suspect, et l'illustration. Et, oh oui, c'est le petit shake. Le petit shake. Alors, je comprends pas, ça aurait pu être la tête de Link ou une partie de Link, vu qu'il y a eu Link qu'il fallait sauver, vu qu'il n'y a pas de rapport avec Shake, mais bon, admettons. On va pas critiquer. Et du coup, bah, les amis, nous retenterons la fois prochaine ce scénario. Voilà. Avec Ruto, cette fois-ci, avec le fragment de cœur et la sculpture d'or. Donc, pour conclure la semaine, donc normalement, c'est dimanche, demain, que vous regarderez du coup l'épisode 308. Donc, du coup, demain, normalement, pour terminer la semaine, nous terminerons cette case-là, dans laquelle on va devoir récupérer un fragment de cœur avec Ruto et du coup, évidemment. La deuxième sculpture d'or, souvenez-vous, il faut réussir à, à finir la première mission et faire 150 kills en coup fatal. Bon, logiquement, on devrait quand même s'en sortir. Même Ruto, je crois que c'est une attaque de zone en plus, donc c'est comme à peu près comme Shake, un mélange de Shake et Midona, si vous voyez. Vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, en tout cas, on tentera, il n'y a pas de souci. Alors, je suis en train de voir, il n'y a pas de petits trucs intéressants. À refarmer pour le moment, donc pour le moment pas d'épisode farm, j'attends vraiment un Gankrust 2 et un arc de glace, mais pour le moment il n'a pas l'air de vouloir apparaître, mais bon écoutez c'est comme ça, mais merci en tout cas de m'avoir suivi pour cet épisode 307 et on se retrouve demain pour l'épisode 308, d'ici là, portez-vous bien, ciao tout le monde, hey, peace.